Bienvenue pour ce nouveau live, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Bonsoir à tous les amis. Vous le savez, à chaque fois, c'est le moment de vous manifester dans le chat pour que je puisse vous saluer comme il se doit. Vous êtes déjà nombreux dans le chat. Et merci Boulouga pour le resub, 4e mois de sub. Bienvenue à toi ce soir. Merci. Salut Freddy, salut Rodrick, salut Reda, salut David, bienvenue Slook, salut les Chini, Maxime, Guitar Maniac, Nico qui est là. J'ai vu mon Loïco également. Dans le chat, j'ai vu qui ? J'ai vu William, j'ai vu Dodo, Youssef, Ruben. Bienvenue à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver. Bah écoutez, moi ça va, hein. Ça ne peut qu'aller bien lorsqu'on est en live à vos côtés les amis. Salut Chris, je sais pas si t'as vu, mais sur le site de Rockstar Games, ils ont créé une catégorie vidéo. Oui, non, mais ça fait longtemps, Yasama. Ça fait très longtemps.
Ça ne date pas de, ça ne date pas de cette semaine. Ça fait longtemps qu'il y a la playlist. Forcément, il va y avoir plusieurs trailers. Il faut bien faire une playlist pour rassembler toutes les vidéos. Comment allez-vous les amis en ce lundi 11 mars 2024 ? Quoi de neuf ? Bah écoutez, pas grand-chose, hein, travail. On a passé un bon petit week-end où on s'est un petit peu reposé, mais pas trop, puisque j'ai... D'ailleurs, désolé, il n'y a pas eu de live vendredi. En fait, j'ai un pote que j'avais pas eu depuis longtemps qui a débarqué ce week-end, qui était de Saint-Etienne. Ça s'est fait un petit peu au dernier moment, on va dire, et j'ai oublié de prévenir. Donc du coup, petit week-end hein, entre potes, on était trois, donc c'était vraiment cool. Et puis voilà, donc l'opération, c'est mercredi. C'est mercredi. Donc voilà, c'est pas encore passé. C'est cette semaine, les amis, que je ne serai pas disponible. Alors, regardez, la transition est toute trouvée pour faire du coup le petit rituel avec le planning. Du coup, on stream lundi, mardi et mercredi. Et justement, pourquoi sur l'ancien site de Rockstar Max, j'ai oublié de le changer tout simplement. Donc du coup, lundi, ce soir, GTA 5. Mardi, on finit Stuntman. Mercredi, oui, mais alors dimanche, c'était prévu que je ne stream pas. Hein, je l'avais dit. Que c'était reporté, et c'est reporté à dimanche prochain. Donc mercredi on terminera sans doute GTA 5, peut-être ce soir, je sais pas encore comment on va évoluer sur GTA, mais du coup voilà. Et du coup effectivement mon papa se fait opérer mercredi, donc mercredi ma maman sera là-bas, donc normalement il y aura pas besoin de moi le soir. Mais du coup après le stream, moi j'irai passer quelques jours chez mes parents. Donc du coup jeudi, vendredi, samedi je ne serai pas là, je rentrerai dimanche. Et donc dimanche, ça y est, c'est le lancement de la troisième saison de GTA RP avec la famille Grey, qui vous accueillera dans leur ferme dès dimanche. On a encore filmé, c'était quand jeudi. Je sais plus c'était quand qu'on a fait une séance. Et encore une fois, voilà, il s'est opéré d'une hernie discale. Du coup voilà, mais comme ça reste une anesthésie générale et qu'apparemment après du coup pendant quelques jours il risque d'être pas mobilité réduite, mais il risque d'être un peu gêné. Dans mes autres précautions, je vais là-bas comme ma mère elle travaille. Donc voilà. Salut Xbank, bienvenue. Donc voilà un petit peu le programme qui nous attend cette semaine, donc 3 jours de off. Habituellement il y a 2 jours de off le samedi dimanche, alors il y en a 3, ça va. J'hésitais à streamer mercredi parce que voilà, logiquement l'opération va très bien se passer, etc. Donc tout voilà, mais voilà, mercredi on verra, mais je pense que tout ira bien, donc voilà. J'ai déjà eu une il y a quelques années à force ton père. Ouais, c'est un peu la merde. Hein. C'est un peu la merde. Salut Mehdi. Bien sûr que j'ai maté la F1. Même si bon, on va pas se mentir, j'ai maté la F1, mais un peu le seum quand même. Un peu le seum parce que le championnat est déjà plié quoi. Le championnat est plié. On sait déjà comment ça va faire quoi. Donc voilà. C'est un petit peu frustrant. Donc voilà, je suis en train de relancer GTA 5. On va passer directement là. Donc, je vous le rappelle, gros bug de sauvegarde. J'ai perdu ma sauvegarde stream. Du coup, comme on avait fait plus de la moitié, hein, quasiment le 3/4 du jeu, bien entendu, on va pas relancer les let's play, les amis. On n'est pas foufou. Donc je lance mission après mission. Alors c'est vrai que c'est un petit peu dommage, on loupe 2-3 cinématiques. Mais bon, logiquement je pense que GTA 5 on l'a tous fait. Donc voilà, il n'y a pas non plus mort d'homme si on loupe 2-3 cinématiques. Avec du recul, tu le classerais où ce GTA 5 par rapport aux autres? Avec le recul, en fait, forcément, je l'affectionne beaucoup. Salut à toi, Iniesta, bienvenue. Salut, Chris. Quand penses-tu qu'on aura le droit à un deuxième trailer? En fin d'année.
Après, tout dépend, c'est même impossible de répondre. Tout dépend de comment le développement avance. Moi, je vois pas arriver au lab dans les prochaines semaines. Mais encore, enfin, tout le monde s'affole. Dès qu'ils ont créé la playlist, tout le monde s'affolait en mode oh mon dieu, mais on a un trailer! Dès qu'ils là, ils ont mis à jour leur site, ils ont mis un slide. Oh mon dieu, on a un trailer! Oh, détendez-vous, les amis. Détendez-vous. Au pire, il arrivera quand il arrivera. Quand il arrivera, Rockstar va l'annoncer. Moi, je pense que pour la rentrée, fin août, début septembre, ça peut être pas mal. Là, on a déjà eu la confirmation, quand même, mine de rien, il y a une semaine, que la phase finale va débuter du développement. C'est déjà une grosse annonce, même si c'est pas une annonce comme trois quarts des fans attendent, parce qu'il n'y a pas d'image, il n'y a pas de vidéo. Mais une communication d'un jeu, c'est pas que des images et que des et que des et que des et des, et des, et des trailers. C'est aussi, bah, ça passe par là, en disant que le développement il avance bien au point qu'on arrive à la phase finale. Donc voilà, maintenant il faut pas non plus qu'il se précipite. C'est-à-dire que imaginons il balance un trailer 2 là en avril ou en mai, et en juin, bam, il y a une couille dans le développement, il perd 2 mois de développement. Et bah du coup, il va tout y avoir, voilà. Sachant que là on le sait, que c'est un petit peu beaucoup tendu chez Rockstar. Donc voilà. Et effectivement, comme le dit les Chinis, ça fait que 3 mois que le premier est sorti, hein. Donc voilà, faut détendre. Mais moi, comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois sur Rockstar Mag et aussi en live, je vois bien une nouvelle comme en mai-juin, avec pourquoi pas les premiers screenshots. Et après, un deuxième trailer à partir de septembre-octobre, pourquoi pas les premières previews septembre-octobre. Et après, ça va vraiment s'accélérer sur les 2-3 derniers mois. Donc si par exemple le jeu sort en mai 2025, c'est à partir de mars-avril à mon avis où ça va vraiment s'accélérer. Voilà un petit peu. Mais ça, tout ça, les amis, hein, faut suivre Rockstar Mag, hein. J'ai déjà tout dit, hein, sur les vraies vidéos vraies ou faux, hein. Alors, je pense pas aux Game Awards. Rockstar, ils aiment pas, ils ont pas besoin de communiquer avec ça. Alors après, voilà, comme j'arrête pas de le répéter, on est aussi sur un Rockstar qui évolue, hein. On est sur un Rockstar qui évolue et qui change. Donc, on avait fait, oui, Attaque du FIB, hein. On avait fait Attaque du FIB, donc du coup, on était sur un 11 balles. Donc voilà. C'est quoi l'heure des trailers de Rockstar en général, la présentation? Ça dépend, enfin, en général, oui, c'est présentable. Mais déjà, on peut même pas se baser là-dessus. Puisque déjà, avec le premier trailer de GTA 6, ils ont pas fait ce qu'ils font d'habitude. D'habitude, en fait, ils présentent le monde, donc la map, l'environnement. Ils ont fait ça avec GTA 4, ils ont fait ça avec GTA 5, ils ont fait ça avec le premier Red Dead, ils ont fait ça avec Red Dead Redemption 2. Ensuite, ils présentent, on va dire, un petit peu les personnages. Ils l'ont fait également avec GTA 4, ils l'ont fait également avec GTA 5, ils l'ont fait également avec Red Dead Redemption 2. Donc voilà. Là, le truc, c'est qu'ils ont déjà présenté un personnage et une partie du monde. Donc, est-ce qu'ils vont refaire un trailer similaire, mais qui serait donc à nouveau qui nous montre une grande partie du monde et au lieu de mettre Lucien en avant, il mettrait le protagoniste masculin et un petit peu Lucien pour équilibrer les balances, on va dire? Ou alors voilà, pareil, est-ce qu'il va y avoir 3 trailers, 4 trailers, 5 trailers? GTA 4, il y en a eu 4. Il y a eu 4 trailers et 0 gameplay. GTA 5, il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a eu 7. C'était énorme. Red Dead Redemption 2, ils en ont eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, tout dépend en fait, hein. Tout dépend. 7 et 8 comptant GTA Online pour GTA 5. Donc, wait and see, comme on dit, les amis. Wait and see. Faut bien vous dire une chose, c'est que d'un jeu à l'autre, d'une année à l'autre et surtout de 10 ans à l'autre, la communication change. Allez, il faut rejoindre Dave. Donc, ça, c'est forcément juste après avoir sauvé le cul de tout le monde en réussissant de... Ah oui, je me rappelle cette mission. Ça part en couille de ouf. Il est où Dave déjà? Je me rappelle plus. Toujours ma map qui n'existe plus. Je pense pas qu'ils vont refaire en première diffusion le premier trailer, hein. Ce qui est d'ailleurs dommage, hein. Mais après ils pourraient.
Mais il faudrait qu'ils mettent en première diffusion une heure avant. Voilà, même pas une demi-heure avant, 10 minutes avant en fait. C'est. Mais ça aussi, tu vois, mais. Moi, directement, dès qu'ils l'ont mis en première trailer, je me suis dit, mais ils vont se faire niquer leur trailer. C'est obligé. Ah, see? David, that's why we're such great friends, huh? We're old school, we like old fashioned things. Newspapers, celluloid. Good guys, bad guys. We're friends? Well, I don't know, you tell me. We did what you said, right? Got those people off your back. Now you're gonna do like you said and cut me loose, right? Things are not gonna work out quite that way. There's a bit of a problem. That's right, Davey boy, you can say that. Steve, I told you I would handle this. Oh, because you've handled everything so fucking well so far, haven't you? All right, I admit things have been a little unorthodox, but... fucking orthodox! You've ruined my career. Agent Sanchez, arrest these men, both of them. Steve, oh, come whoa! On, please. You fucking kidding me? Arrest me for what? For multiple counts of every fucking crime under the fucking sun. Oh, well, then let me rephrase. Why? Why? Because. Because you don't want me to testify in court about our various business dealings, right? Agent Sanchez, apprehend the suspect! Agent Sanchez, you'll do no such thing. Now, Steve, we agreed to speak to Michael, to try and explain things to him, not this. This causes problems for us all. Okay, okay. Then put your gun down and we'll talk. After you, buddy. Come on, where's the trust? You can do better than that. They know or think they know that I'm the one that was behind the incident. Uh-huh. And now you want me to clean up your mess again, right? Before I end up at the bottom of the ocean. Fucking good luck with that. Put the weapons down, boys. Fun time is over. We've got you. Anti-American activity. Put your weapons down, all of you. Oh, ce bordel. Et merci Fleur Déracinée pour le follow. Bienvenue à toi. You didn't have the balls for this. For the record, I'm a patriot. I love my country. Put the weapons down. Fuck you. We all know you agency boys are ball deep in a plot to drive up your funding by any means necessary. Put the guns down, gentlemen. Who the fuck are they? Fucking Merryweather. What are they doing here? Steve, put your gun down. Oh, same goddamn leg! Go! Fuck! Bullshit! Mike! Hey! The door ran the other way, top of those stairs! I ain't going anywhere, Davey, until some more of these guys kill each other! What happened to Haynes? He get caught in the crossfire? Don't worry about Haynes. Haynes went the other way. He's probably out. We gotta think of ourselves. Damn it. Oh. Cut off. You're gonna have to go down the stairs at the other end of the building. You're gonna die. Tourists coming through! What a pansy! I'm gonna shut down your neck! This is a public sector dispute! Okay, I'm going down. We meet in the courtyard by the fountain. Ah. Lord! Cette classe de Trevor. Oh, the fuck! Hey, anyone's gonna kill you, old friend. It's gonna be me. Oh, you here to finish the job, T? No, 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 no. I'm just here for the opportunity. Now run. Touching reunion and all. This is the guy who iced Brad, and would ice me? I'd be better off putting my sights on him. Haynes made it out of here, and there's another group of agents looking into our shit. Right now, you're not
me, Davey! Who are these Bureau men trying to kill me? They're a corrupt division. Gone rogue or on the IAA payroll. Don't mind me. I thought you were the corrupt division. Corrupt? Only a little. Definitely below average. Look out! Up there! More Meriwether? Are you kidding me? Meriwether bird incoming. These guys don't have a funding problem. Someone's gotta bring down... Ah, attendez, je suis hyper concentré là. Trevor, shoot these guys. What happens to Haynes? Norton gonna pop him at the. Ah merde. Water cooler on Monday. I'm not popping Steve. Jesus. I'll get close to him and I'll try to control him. That. If we get out of here alive. Shit. Shit! 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 What are Meriwether doing at this party? You tell me. He's the one hitting their planes, trains, and boats. Just trying to earn a dime. Well, your dime put us on their radar, and I don't know how we're gonna get off it. Ain't this a bloodbath? I'm between the fountain and the reflecting pool. Come on! Meriwether, coming at me from across the walkway. C'est bon le son? J'ai baissé un petit peu, ça me paraissait un peu fort. Pick it up, Mikey, my gun's getting hot. Perfect. What a day. Merde. Oh le fail. Au moment où j'allais tirer, ils m'ont changé de personnage automatiquement. Oh putain, Dave, il s'est fait... Mais quoi? Mais quoi? Mais c'est quoi ce bug? Il s'est fait allumer comme une merde. Oh tiens, j'ai cru qu'il s'était fait encore allumer. J'ai cru qu'il se faisait encore allumer. Oh merde! Oh non! Great. Another chopper. Oula, oula! On va pas se faire plaisir, hein. Une petite vaca là. Oh non, il m'a niqué le pare-choc, bâtard. Qu'est-ce qu'elle est belle cette vaca. Thank you.
Remontez un peu le son. Ah! Bah voilà, merci hein. Merci Maxime. Got a little something to do with being caught in the middle of a three-way firefight between two government agencies and a private militia. You know, it gets me a little stressed. Salut Anderson, bienvenue. Okay, but we still need you alive, Mikey boy. I mean, you know, at least for now. Unless, of course, you have another surprise for me. Huh? Maybe something to do with another inappropriate friendship? Yeah, that wasn't exactly Dave's fault. No, no, no. He's just the friendly face of a corrupt government agency looking to further his career by dealing with an equally corrupt and full of the fucking brim with bullshit, low rent hood. Listen, Trevor. Listen, I've been meaning. You know, I've been meaning to tell you. What have you been meaning to tell me, huh? That you stabbed me in the back, or that you were and always will be a worthless coucou, Jade. Wretch who deserves to be put under. Yeah, well, no, yes, dimanche, ça commence, ouais. Oh, you know why? Ah, no. One last score. Mm-hmm. And if it goes good, guess what? I don't have to put a little bullet in your head. But if it goes bad, well, that's okay too. Because then you and I get to go to hell. And I get to spend the rest of eternity with you, tormenting you. Well, I guess it's on then. Yeah, I guess it is. Call Lester, let's go. On speakerphone. Hey, it's me. I know. How'd it go? Just fabulous. Ran into an old friend. Matter of fact, he saved my ass. Ooh, we're all friends now. Suppose a group hug's out of the question? He wants to, still go on the final victory tour. All right, when it looks like it's a go, I'll contact you. And remember this, gentlemen. If we pull this off, we will be making history. Sordid, nasty, depraved history. But history, nonetheless. All right. There, you happy? Fucking thrilled. Don't forget, amigo. Keep my eye on you. Yeah. Aïe, 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 sacré équipe quand même. Du coup, pour répondre à la question... Salut Théo, t'es où? Bienvenue. Je ne... Salut Chris, ne jamais passer les cinématiques, je vais le refaire tous les GTA comme toi vu que j'étais gamin quand je lisais pas. Ah mais oui, mais les cinématiques, il faut jamais les passer les amis. C'est des pépites. C'est des pépites, encore plus. Bah Théo oui, mais ton pseudo c'est Théo21. Salut Costa. Et donc du coup c'est vrai que pour répondre à la question du début de live, où est-ce que je repositionne GTA 5? Mon préféré c'est GTA 4. Mais de large, mais quand je dis de large, c'est de large. Ensuite, ça se joue entre Vice City et San Andreas. Après, ça se joue entre Vice City Stories et GTA V. Donc il est dans le top 5, mais un peu compliqué de savoir vraiment où. Et salut Eddy. Hey. Oh. Hey. I'm sorry I spiked you, okay? I get so mad and I can't control things and then you know, shit just falls on top of me. My life sucks right now, and I don't know what to do, except I want to say I love you and hug it out. But all that wimpy shit is just... Well, I'd say gay, but I have some friends who are gay, so that's not cool anymore. And the ones that I don't really like, it's not because they're gay. So, lame, all right? You are just a lame and angry psycho sometimes. You do bad shit and things. I don't know if I love you, and I'm pretty sure I hate you a little bit. But
I'm just so fucking upset that we can't even see each other. And you're just a drunk, lame dad. You know what? That might just be the nicest thing anybody's ever said to me. So will you buy me a car? What? I mean, not in the so will you buy me a car kind of way, in a completely off topic, can you buy me a car? I mean, firstly, I'm a fat shit that you ruined. And secondly, I will get a job and I will stop smoking pot in that sort of way, okay? I love you too, son. Now, go. Get a job, because I don't have the money to buy you a car. Besides which way, I'm probably gonna be dead in a couple weeks anyway. Please don't die, okay? Yeah, it's great catching up with you too, Dad. Yeah. Hey, how's your mother? Oh, she's great. No, she's not. She's bored. I mean, all this mesmerizing tantric sex she's been having with a much younger, better built, caring and compassionate man is great and all, but what's she gonna do for the other 6 hours of the day? What the fuck? I'm just winding you up, you miserable bastard. She's mad at you. She's scared that you're gonna die, and she wants you to go over there and prove that you give a fuck. All right. I can take a fucking hint. Let's go. We'll get Tracy on the way. Tracy, on the other hand, she's a star. Sort of. Cette famille de tarés, ça me fume. Ah, il y a des ondes, attends. Ça va mieux là? Est-ce que ça va mieux? Oh là là, il a massacré ma caisse. So, what's been happening? You know. Stuff? No, I don't know. Well, what's been happening with you? Thanks. It's anyone's guess. Yeah. Or sujet, Chris a déjà joué à MW2 sur PS3 à l'époque. Oui, bien sûr. MW1 et MW2, à l'époque, c'était les meilleurs jeux de FPS qui pouvaient exister. They kind of made me think it was an involuntary exodus. Oh, okay. Here they are. Fabian too? Oh, what a treat. No caffeine. Come on. Your curling has been sluggish for weeks. A little bit less lifestyle guru and a little bit more boy toy. Excuse me, I'm trying to write a screenplay. Shush, woman. Hey, Amanda. Fabian. Michael. Hey, Mom. Hi, Jimmy. These two, a picture of holistic well-being, I don't think. Hey. Maybe they shit once a year between them. Hey, oh! That's my son! Amanda, come. I have a new unit card on hold. You must pay for it. Hey! Hey! Buddy, I'm gonna ask politely that you show my wife a little respect. Red meat has been blocking your chi as well as your digestive tract. I ain't gonna go there. I'm gonna ask you one time, nicely. Michael, just hit him, please. Shush, woman! Anything for you, sweetheart. What are you doing? I had some really good work there, you dick! There's a lot more where that came from, Holmes. Is he alive? Yeah, he's fine. Listen, Amanda. Ça, tu vois, c'est le retour de Michael qui fait plaisir, tu vois. Tu dis voilà. What he's trying to say, Mom, is that he's a pathetic old drunken mess and he needs you. And you could do a lot better than a prima donna yoga instructor with an anal fixation. Shut up! C'est vrai que la meuf avec son PC, la pauvre. Neutral ground. Dr. Friedlander's office. Perfect. All of us. I'll pick up Tracy and bring her there. Meet you? Fine. All right, you. Come on. Get up, you idiot. Yoga? No. No yoga. All right. You know where your sister is, right? Yeah. Let's go. Wait. But what about that sugar, caffeine, and emulsified pig fat flavored beverage I want? Il y avait un mystère. Ils l'ont abandonné avec les DLC solo. Mais c'est sûr et certain qu'il y avait un truc. Maintenant, c'est un truc qui est online et il y aura, à mon avis, une résolution online. Si ça aussi, ils l'ont pas abandonné. Vu les leaks de l'année dernière, visiblement, non. Tracy's getting another tattoo. No, oh god, no.
Laszlo guys there. Laszlo, that asshole. What's he want? It's Tracy that wants something. She wants to get back on Fame or Shame after you and Uncle T cut her cameo short. Well, maybe we ought to help her out with that. Maybe we ought to. Hey, let me ask you. Back there with your mom. C'est vrai que le bruit des moteurs, pas forcément que des motos, mais des moteurs qui résonnent au loin dans Los Santos, j'adore ce... Ça c'est vraiment le truc typique de GTA V ça. Putain, je conduis comme... C'est ce qu'on appelle une... What? Merde. Putain. Mais what? Cassez les couilles. Ils ont quoi là, tous énervés? Pourquoi ils s'énervent tous là? Ça va, j'ai fait une arrivée à la Starsky Hutch. Ils s'en foutent ces PNJ. Oui, Jimmy il est là, il regarde. Oh non. Oh non. Barrez-vous. Putain! C'est ça. Ah non, putain. Look the fuck out, bro. Hey, careful. Putain, il y en a encore un carré là. Oh, il me lâche pas, oh. Faut chier. Ça y est. Eh ben. Et merde. Oh, GTA 4, il a pas mal vieilli, les gars. Hein, je vous le dis. Hein. Pour l'avoir refait l'année dernière, il a pas du tout mal vieilli. Hein. Forcément, tu peux pas le comparer à GTA V ou à Red Dead, mais franchement, cette cinématique, elle est incroyable. So listen, babe, if you want to make it in Vinewood, you got to do whatever it takes, even if whatever it takes is a depressed borderline alcoholic who hosts the third most popular talent show amongst the 40-year-old female demographic. So, you'll let me on the show if I blow you? And if you could wear some black lipstick, the little guy loves the goth vibe. Oh la 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 la. T'imagines tes pères et t'entends cette conversation. Mais moi, je le démonte. Allez, on va lui percer quoi? L'arcade. Le nez. Et l'oreille. Let's do
La poitrine, on va tuer la poitrine, bien entendu. Ça c'est horrible ça, un vrai tatouage. Should I draw his three pubic hairs? There we go. Nice. You got like a camera phone or a mirror? I can... Oh yeah, I'll get you a mirror. Smash you over the head with it. Snip, snip. This is a real one-stop shop. What are you doing? Et dire que Laszlo est joué par lui-même, c'est incroyable. No, what you gotta get is my daughter, whatever she wants. Yeah, without sucking on your piddle stick. Look, okay, guys, that was a joke. I'm a clown. I'm a sad, lonely little clown. Hey, you're gonna put her on your show, and you're gonna make sure she looks good. Look, okay, I got a lot of juice in this town, but I mean, I'm not a miracle. Just do it! Yeah. All right, Trace, let's go. We gotta get to the therapist. What? So, I'll, like, call you or something. Family just needs therapy. My pony. How do I look? That's not good, is it? C'est dommage qu'on le revoie pas. C'est dommage qu'on le revoie pas après dans le jeu en mode bully, tu sais. Putain, j'ai cru que c'était Franklin. Il a la même chemise. Not to be cynical, but your therapist hasn't exactly been transformational to your mental health. So I don't know why he'd be better positioned to help four dysfunctionals. Hey, this was your mother's idea. Well, I guess it beats yoga. Huh? Now he beats yoga. Literally. Like Fabian? Around the head with a laptop? Oh yeah, like pow! Our old man released the dude's inner tranquility all over the bean machine baddie. To be honest, and I know it's karmically bad, but yeah, I fucking hate that dude. Yeah, I know, right? He's so up his own ass. You're a fucking contortionist. Whoopee. I contort my junk all day long and I don't act all superior about it. Just a little ashamed and envious. Overshare. Hey, guy was talking smack to your mother. Well, I applaud you, Pop. Here, here. You're like finally like using your powers of selfishness and rage for like good. Not an objective universal good, but like a subjective what's in our best interest kind of good. Fuck yeah, awesome. Let's rob somebody. Do it, Dad. Yeah, do it. Enough, okay? Les enfants qui deviennent psychopathes. Oh non, il a pas la même voix en voix que Wade, hein. How about you just let your mom and me talk, okay? We got some issues we gotta iron out. And seeing as you two aren't into it, you can just sit there and be quiet. That's cool with me. Oh, l'infirme visuelle, elle est belle. At least for the meantime. Thank you. Putain, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Putain, cette maison rose là qui existe en vrai. Amanda. Hello. Good to see you again, Michael. I'm so glad. Isn't this great? Fantastic. Michael, be positive. I am being positive. This is me being positive. Give it up, Michael. The sarcasm. It's one of the reasons I moved out. It's beneath you. No, it's not, Amanda. Trust me. Nothing's beneath me. No, normally there's a whore beneath you. You know, for someone who spends every waking moment working on themselves inside and out, I gotta tell you, the progress has been really fucking slow. How would you know what progress is like, you stupid murdering shit? Gee, because all you do is whine at me. Oh! All I do is whine. Michael, could you please stop murdering people? Michael, could you please stop endangering me and the both of your children? You kill people and then you sit in the sun and drink and feel guilty about it.
That is not work! I don't see you complaining on the way to the fucking bank! La grosse ambiance. We're trailer trash, you and me. We were taught to do this. Get a center, Michael. You have no center. How about you suck my cock? We'll both get a center before that ever happens. You are such a fucking animal, a deranged animal. You're fucking ain't right, I'm deranged. La gueule de Tracy et Jimmy. I should have had you locked up years ago, you stupid Do shit. Do it. I'll put you in the fucking ground with the rest of them. And that's really all the time we have. Oh. Great. I think we made some real progress. Mais quel escroc celui-là, putain. Oh, Michael. I hope this goes without saying, but family work is a little more expensive. What, double? Squared. Of course. Take care now. Hey, so you gonna come home with me or what? Guess we'll give it a try. Il vient de lui dire il y a 5 minutes que si elle le balance, il l'enterre comme les autres. Et là, tu rentres à la maison avec moi. Are you gonna take us home then? La mission qui nous coûte 4000$ quoi, c'est la... je crois que c'est l'une des seules missions de GTA où tu gagnes pas d'argent, t'en perds. You know, there was a moment there. I thought, what? I don't know, like maybe we still had a ways to go. You know, like maybe we need more time. Time for what? Time to move beyond screaming at each other. That was cathartic. Catharsis all over my face. Ooh, I got a warm fuzzy feeling. Probably just the meds you rated. Okay. All right, I just don't want it to be more of the same. Now you're the one making the demands? No, not demands. I'm saying you're right. Something was broke, and we gotta work at fixing it. We do, all of us. Yes, Mom. For real, peeps. I started to understand something in there. No one else gets this family. Not Dr. Friedlander, or my yoga teacher, or our tennis coach. Or the juice guy, or the dog walker, or Jimmy's third grade teacher, or the trash guy, or dad's proctologist, or the guy that thinks he's Jesus on Vespucci. Oh no, putain. Mom who thinks the world is ending? We're stuck with each other. I mean, how do you explain faking our death, changing our name, all the lying to the FIB? That monster Trevor? There's no explaining Uncle T. Hey, is he coming to the next therapy session? What? Putain, t'imagines la mission incroyable de Trevor chez le psy. Don't get us killed. And don't get killed. Can you do that? I'll give it my best shot. With every fiber of my being, I will do. T'imagines la séance de psy. Kids, rooms. If you find dead bodies, cheap women or Trevor Phillips, we're checking into the Rockford Hills Hotel. Ce serait incroyable, Trevor chez le psy. Oui, c'est le psy qui paie Trevor. Et en vrai, on avance bien. Peut-être que ce soir, on termine en fait. Enfin, je pense même que ce soir, on termine. Enclouti sur Manon 3, incroyable. J'avoue que. Hop. Bah voilà, on arrive dans les dernières missions. Hein. Bah je pense, hein, il reste 2 heures de stream. Honnêtement, sachant que là. Good to see you, Slick. Devin, what the hell are you doing here? It's over, Michael. You done good, kid. You kept this bullshit up long enough to help me trigger a fantastic insurance payout when the plug is pulled. I love you. You're like my spirit brother now. Where's Solomon? He's out getting the negatives of film, whatever the fuck it is. The last dinosaur in town is about to get fossilized. What are you talking about?
Look, the movie's nearly done, so if the plug's pulled now, the investors, meaning us, get a massive insurance payout. Meanwhile, I can use that to get the other major shareholder, the old bastard's idiot son, to agree to tear this relic down and let me redevelop the area for condos. In this economy, the city's gonna let me build tax-free. I might even get some rebates. It is a brilliant thing, and it is all thanks to you and Molly's eye for the details of the insurance policy. Oui, on va le finir ce soir, je pense. They're fucking us! The suits! And they don't even wear suits! Wolves in turds clothing! Try not to take it too badly, Mr. Richards. Were you ever a human being? Look, people used to like films, now they like what? Videoing themselves, beating off on their iFruit phones. Don't blame me. I'm a very spiritual person. I feel badly about this. But evolution is evolution. Gentlemen, Molly, namaste. Can I take the film now, Mr. Richards? My plane leaves in 25 minutes. Can't we do something? At least let me finish the picture, then close the place down. I'm afraid our timetable doesn't allow for that. Goodbye, Mr. Richards. Where the hell is she going with that movie? She is taking the only copy offshore, somewhere nice and discreet. Analog. God, it's certainly got its complications. Michael, can you do something? No, he can't do anything, pal. It's an inevitability. My wife got screwed by a yogi. And now I'm getting screwed by a yogi? Fuck that! I'm a producer! Nobody fucks with my film! C'est vrai que les mecs de le yoga, Michael. Allez, on prend la jeune. 10 fois plus belle. Ah, la musique elle est insane, hein. Mission de zinzin quand même. Hein.
Oh putain, j'ai cru que c'était un bug. Ah, j'étais sûr que j'allais pas avoir le temps. Mais je vais m'échapper en avion. Allez, mais décolle! Oh, y'a le yacht. Ah non, je crois qu'il y avait le yacht. Mais grave, on retourne à Vice City là. Oula. Aïe. Et merci des Cassignols pour le follow. Bienvenue à toi. Ouais, ça c'est vrai que le système qui s'use et tout, c'est vraiment bien foutu. Ouais. J'ai un petit peu réfléchi pour le prochain GTA qu'on va faire. Je pense que ça va être Vice City Stories. Parce qu'en fait, je pense qu'à partir de maintenant, je vais faire les GTA dans l'ordre. Donc on va faire Vice City Stories, Vice City, San Andreas, Liberty City Stories, GTA 3. Mais d'un côté, je me dis, si on fait ça, ça va piquer quand on va faire GTA 3. Quand on va revenir sur GTA 3, du coup, je suis en train de me tâter en fait. Ah, les crashs d'avion, c'est pas non plus... Jamais joué au vu d'image du jeu. T'as un Vice City Story, c'est une pépite. C'est une pépite. C'est ça les chini, ouais. Tu peux gérer ton business et tout, ouais. Oh, hey. Hey. What you doing here? I mean, I'm real glad you're here. Come here. I can't stay. What's up, babe? But it's Lamar. What that fool want now? It's your best friend. He's your best fucking friend. For real, my best friend. My homeboy, right? My nigga. Man, fuck you. I mean, not like that, man. But no, he ain't. He just another nigga from the hood. Him, stretching all the motherfucking clowns. All he wanna do is drag a motherfucker down and live in the past. And this is the future? A big empty house with nobody who gives a fuck about you. Well, shit, it works for me, it can work for you, babe. I'm getting married, Franklin, to a doctor, not a murderer. Then what the fuck you doing here, Tanisha? I'm worried about Lamar. You gotta help him, Franklin. Man, that shit is over.
Oh, I'm a legitimate businessman now, sister. I'm a CEO. L'environnement hyper toxique qu'il a, Franklin, c'est un truc de fou. Hein. You a phony fuck. What? Oui, on va faire les définitives éditions, ouais. Oh, fuck, man, my whole fucking life I've been looking after this motherfucker, paying a price afterwards. Fuck. Well, at least do it one more time, Franklin, for me. For you? For you and your doctor? I love you and Lamar. We grew up together, but this life ain't for me, and you knew that. You ain't changing. I don't care how many cars you own, how many apartments you own, I don't care how many diamonds you put in your ear. It ain't for me, not done bad or done good. Babe, look, I'll change. No, you won't, and that's fair enough, but at least respect what Franklin, you do. Franklin, ressaisis-toi, te laisse pas faire, là. If you let that idiot die, an asshole than I thought. Look, he's going up to some sawmill near Polito Bay. Ugh, you do what you gotta do. Putain, mais quel de... Putain, mais Franklin! Bon, cette mission, c'est pas qu'il... Enfin, cette mission, honnêtement, je l'aurais dégagée du jeu. En fait, elle apporte rien. Et c'est un peu du vu et revu. Genre la mission justement avec Stretch, où on est en entrepôt au début du jeu. Je trouve que c'est un copier-coller. Enfin... Je sais pas. Merde, putain, j'aurais le... Bah non, je vais pas la passer, on finit le jeu quand même. Oh bâtard. Ah putain, oui, les missions de zéro dans San Andreas. Au secours. Au secours. La collision de voiture. La collection de voitures, non? Ça va très vite là, ça va très vite. Vice City, c'est avec Tommy, oui. Tommy Vercetti. Oula. Oula.
Ça, c'est une arrivée, ça. Rescued, not sold to the feds. Give it a rest, asswipe. Man, would y'all two shut the fuck up? Now let's take a look at this place, man. Lester said this was some type of big weed store spot. Place is crawling with ballers, you know? Now me and you, we don't mind the old gang warfare, but Suede Bucks over there... Yeah, tell Trevor I said bite me. And I said shut up. Now I see the weed, but where the fuck is Lamar? Oh shit, there he go. You know, tell Trevor I'm gonna be up on this hill with my rifle. I don't want to be anywhere around him when he fucks this whole thing up. Classic. Classic, huh? He's already planning his escape. Oh, fuck. Trevor, I'm gonna find a way in. I saw a few possible entry points when I got... Je peux pas changer. Merde. Ah. Je crois que je me suis fait repérer. Les jeunes. Va changer, hein. Démerde-toi très bon. Mais putain, bâtard. Où ça? J'ai tiré sur quoi? J'ai pas vu. Bâtard. Putain, mais oh. Mais quoi? Ah merde. Ah mais il est nul Trevor aussi. Oh non, sérieusement là? Comment ça, ils m'ont déjà vu? J'avais un silencieux.
she at? Give us the mouthy one, and we'll be gone! Lamar Davis, win! Tout ça pour Lamar, quoi. You got a friend of ours. Mais barre-toi, Franklin. Oh, il casse les couilles, hein! Lui aussi, il casse les couilles! Putain, mais. Bon, c'est bon, moi je me fais chier ici. Ah merde, putain. Mais pas là, pas là, il est con lui ou quoi? Mais allez, dépêche-toi! Killed opportunity. Or get killed opportunity. Man, you always a pessimist.
Nah, nigga, a realist. Because in reality, all them fools want to clap your ass. Man, what a trust that dog. I peeped out that wood chopping place when we was up this way on that Devin Weston car lift, which I still ain't been paid for, incidentally. All secluded and shit. Stretch hit me up, I'm like, yeah, that's the perfect place to buy Kush by the busy. Nigga, perfect place. Putain, j'en ai le chat. Clap some fool you beefing with. Man, I ain't even know at the time. I just thought we was gonna parlay. Parlay? Nigga, please. Every time you leave the house, fools try to clap you. Every meet you set up. J'ai coupé une superbe musique, mais j'ai coupé surtout pour pas me faire strike. Oula, 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 oula là, oula là, oula là, oula là, oula là. Je le sentais venir, ça. Je sentais la catastrophe. J'ai vite pris le contrôle de Franklin, mais putain, ils vont me faire repartir d'où? Mais Trevor, il attend quoi? T, call me, dog. I'm gonna come up to the unicorn and get horny on your office supply. Mais c'est parce que je regarde le chat là. Shit, homie, you alright? I'm straight, homie. Bitches got to jump on me though. I didn't get you to come all the way out here. Man, I ain't finna let a little drive stand in the way of a money-making opportunity. What y'all? Là aussi, je regarde le chat. Yo, Moreco! Mais putain! Attends, on va se sortir de là. Salut, Jailbreak! Comment ça va? Man, what a trust that dog. I peeped out that wood chopping place when we was up this way on that Devin Weston car lit, which I still ain't been paid for, incidentally. All secluded and shit. Stretch hit me up, I'm like, yeah, that's the perfect place to buy Kush by the busy. Nigga, perfect place to clap some fool you beefing with. Man, I ain't even know at the time. I just thought we was gonna parlay. Parlay? Nigga, please. Every time you leave the house, fools try to clap. Every meet you set up. Putain, je vais refaire la même. Je vais refaire la même. Ah, non, non. Ah, ah. Ouh. Me, Michael, Trevor, we all came up here to help. The unholy fucking trinity. Putain, mais. Ballers beware when these fools roll in the. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. What happened to me and you fucking shit up? Homie! Form gangsters, nigga. So I shouldn't have called him, right? Man, I was doing everything in my power to make sure you wasn't flat. Ouais, là, je suis pas concentré du tout. Putain. Bah, j'ai bloqué le. J'ai bloqué le pick-up. Bon. On va se remettre dans le droit chemin. Voilà, un patriote, c'est nickel. Patriote, c'est nickel. Allez. En fait, j'essaie de lire les... la discussion entre Lamar et Franklin et j'essaie en même temps de lire le chat. Donc conduire plus lire deux fois à la fois, deux endroits à la fois. Ben voilà, désolé. Stress do what he do. Niggas want me dead, be dead themselves. I ain't gonna overreact to shit. Overreact? Man, that nigga Stress tried to get you killed, nigga. Nigga, that's the hood. Oh putain, ça a pas marché! Ça fonctionne. Oh, j'ai eu peur, sa compétence elle a pas marché! Elle est pas médiocre ma conduite, c'est juste que. Stress knew they was gonna book me? Yeah, nigga, Stress knew. Everybody knew Stress knew. Tanisha knew Stress knew, and she don't even come around the fucking hood no more. Damn, that nigga Stress janky like that? Man, you don't see this? Man, Stress been screwing us from the start. Like from back in the day?
from like the other day, dawg. Since after we went to the recycling place and D and them ballers try to take us down. But Stretch put in the work on D. Yeah, man, that's survival. Remember how angry his ass got? Especially with you bringing him into this shit? Aight, but tell me this, though. If Stretch was fucking with your boy LD, why he set us up with the deal for the brick in the first place? He go off and make peace with the ballers, come back, and then put us on the lick on Grove Street. Man, you remember Grove Street? That brick was... drywall. Ripping us off was probably Stretch's idea anyway. Damn, you think so? It makes sense, don't it? Man, I ain't knowing, man, maybe. Man, Stretch got in with the ballers when he was inside. Oh, le PNJ qui a écrasé la vache. But a bunch of them got booked. So now c'est pas moi cette fois. So Stretch sends you out there where they doing a cush deal. Then you show up and save the day. Yeah, thankfully. Man, it wouldn't even be the same if your boy LD wasn't out here getting in the shit. And FC wasn't. Faut pas tuer les animaux, faut pas tuer les mecs en motocross. Man, I don't know. Man, shit was fun, nigga. Don't tell me you didn't enjoy scrapping like we did back in the day. It ain't back in the day no more, dawg. But it felt like it was. Okay, fool. It was fun saving your useless ass one more fucking time. There you go. That wasn't too hard. You should have seen. Your face when I came in. You was like, shit. Hey, shit, man. Oh, bullshit, nigga. You better check them drawers, homie. You probably shitted yourself. Fuck you, man. I don't care if I die. It's a compliment if they sending an army after a nigga. Y'a beaucoup de PNJ quand même, hein. J'ai plus l'habitude, moi, sur GTA RP. Y'a pas autant de circulation, hein. Nigga, you think I'm some angel come to take your ass somewhere you never going to. You pray to your white man God, homie. I'm going to the great plain beyond where the buffalo keep on roaming and the little squaw bitches want me to nut on their face all day. Bitch, please. J'hésitais entre droite gauche, droite gauche, droite gauche, tout droit. Ouais, mais si je spam la compétence de Franklin, il parle plus. Quand on est un pilote, on n'a pas besoin de la compétence de Franklin. Nigga don't think it ain't no fun to be half fucking with the homies, nigga. You feel me, my nigga? Yeah, I guess you can look at it like that. Hey, but on some real shit, my nigga. You know your nigga out here doing VAD, man. Why don't you slide me a few dollars or something? You know what I'm talking about? It's hard out here in the set. Oh, shit, my nigga, that's nothing. Shit, nigga, I know you done went all Illuminati and shit, you know what I'm saying? Leaving the street niggas in the back, but... damn, man, way to keep a nigga down, my nigga. I mean, thank you, I guess. Thank you man. All the work a nigga put in for you getting them cars and shit, you know what I'm talking about? Give a nigga just enough money to get him a little 40 ounce in a bucket of chicken on the way to the pole house, huh? Man, don't be like that, dawg. Cause number one, I never got paid for them motherfucking cars. Number two, I saved your motherfucking ass. No matter how many times you and that tiny motherfucking brain of yours have tried to get us killed, I saved you, dawg. You supposed to, my nigga. I thought we was homies for life. Me too, but I thought we was trying to get out of this bullshit. You live in a fantasy, homie. The best thing you can hope for is a big turnout for your motherfucking funeral. Nigga, ain't nobody coming to your funeral. What? Man, what about all the motherfucking times I saved your life, homie? What about that? Oh, thank you, homie. Thanks for leaving your nigga in the backfield. You know what, my nigga? If your ass can just act civilized, you would get some work. But instead, you want to be this gang-banging, mad-dogging asshole. Oh, my bad, Mr. Goldcard. Excuse me, sir. Thank you for helping out a post-street nigga like me, sir. You can go now, sir. Thank you. Nigga, you think I am, nigga? Fuck you, Lamar. Nah, fuck you, F, nigga. I thought we was homies, nigga. But that's some shit that just got past you, my nigga. You know what, dawg? If something good comes up, I hit my dude, man. Chill out, all right? Yeah, whatever, nigga. You just hit me when you find out what the true concept of friendship is, nigga. We came from the sandbox together. I know that. I got you, dawg. If something good come up, I got you. Yeah, whatever, nigga. I'm in the turf, nigga. If you remember where that is. Putain, mais Franklin, il se fait bully. Oh, putain. Hello, Franklin. Man, I don't know y'all. We done, hey, man. We ain't done yet, homie. Not yet. Nearly. Man, what the fuck y'all want me to do? Kill the president? Fuck his wife or something? Or invade some fucking country? No, no. Something more sensible. Something that's gotta be done. Hey,
When the timing's right, you're gonna take old Trevor and put him out to pasture, homie. Michael will be sensible, but Trevor won't be. Trevor is a liability that none of us can afford. Man, Trevor saved you. He saved both of y'all asses. And it's unfortunate. Hey, when we give you the word, you're gonna do this thing. Man, get Michael to do it. Me and Trevor cool, dawg. Michael can't do it. Trevor won't let him near. That's why it's up to you, homie. Oh, fuck. Hey, who was that? Nobody. Don't worry about it, nigga. Hey. Flossin' ass, nigga. T'as le N-word, il est prononcé, mais 4 fois par phrase, quoi. Bon, allez, dans le chat, c'est le moment des confessions, là. Qui a tué Trevor? Qui a tué Michael? Qui a sauvé les deux? Je veux savoir ça, moi. Voir un petit peu ceux qui sont dignes ou pas dignes. Mais Lamar, c'est un sac à crotte. T'as sauvé les deux très bien, Jade. Ah là, Jade, on savait qu'elle était digne. J'ai tué ma... Oh là, Boulugan, ouais. Déception. Sauvetage sans hésiter, très bien. Tu penses que le langage de la rue, notamment le N-word, sera aussi risqué dans GTA 5 ou... Je sais pas. Moi, je pense que ça bougera pas. Après, ça dépend. Je pense qu'on l'aura moins parce que on va pas fréquenter les gars de quartier. Hein. Normalement, si tout va bien, Lucia et le protagoniste masculin ne sont pas issus de... de la street. Sauver les deux, très bien, ça est bienvenue. Des Castignols pour la première fois sur le chat. J'ai tué Michael, puis j'ai tué Trevor. Ah, mais tu l'as fait deux fois. Tu peux pas tuer les deux. Et bienvenue, Jerem. J'ai sauvé les deux. Et j'ai refait pour les vrais. Oui, forcément, oui, moi aussi, j'ai fait pour voir... pour avoir les fins alternatives, forcément. Comment là, un petit costume sable gris là. Ah bah visiblement c'était pas ça qu'il fallait. C'est le smoking qu'il faut. Ah ok. J'ai sauvé les deux la première fois. Très bien à Paris et bienvenue. Bienvenue sur le chat pour la première fois. Cette mission aussi elle est dingue. Oh là là, avec la musique! Tarantana! Ça me rappelle Welcome to Los Santos. Hein. Oh là là! Tant pis pour les. Jimmy, get back down here! Tant pis pour les droits d'auteur. Jimmy! I'm gonna ride out the next two recessions without ever having to work. And I'm gonna get a sports car and a drug habit before appearing on Reality Rehab Show. And then I'm gonna sell my story and become really judgmental. And I'm gonna use all the contacts I make in treatment programs to become a producer too. And I'm gonna make even shittier movies than my dad does. Because I don't care about movies like him. For me, it's just an opportunity thing. Woo! Yeah! You see the Strizettes, losers? Kendrick Lamar, valeur sûre. Hear that, Vinewood? You hear that, Vinewood? Hey, I hear it, and I don't like it. We're going to the Oriental Theater on Vinewood Boulevard. Get back down here. And not to, like, gawk at celebrities from behind a barrier. We're actually, like, properly invited. V to the I to the P. Jimmy! Read my neck rolls. Entitled. E-N-T. Title, cause I am Jimmy. Oh, Pop, chill. I'm done spraying this shizzle. Let's take a drink. Jimmy, shut up a second. Hey, Devin, look. I need to say about Molly, man. I'm sorry.
but I didn't do it. It was an accident, and I was there, but I had nothing to do with it. Look, Devin, I said I'm sorry. I feel bad for you, but you don't threaten me, because this movie's happening, all right? So let's just calm down and try to be friends again. Oh, absolutely. Hey, we're here. Ouais, là ça fait pitié, il y a 10 PNJ, tu sais. Ça fait un peu pitié quand même, hein. Pop, you know, I'm really proud of you even though you did make a pretty shitty movie. Well, thank you, Jim. Where are the girls? They're at home. Il y a le bruit des feux d'artifice, mais il y a pas de feux d'artifice. Of course they will. And have you ever thought maybe I shouldn't shoot? Ah mais si on le revoit Laszlo. Putain, je m'en rappelais plus. Thanks, Antonio. Be nice and tight. Hey, it's Laszlo on the red carpet of Meltdown. Some big stars, some beautiful dresses. We're gonna see some side boot tonight. Come on. We did it, Solomon. We fucking did it. Fucking A. Fuck you, fate. I may be a lecherous old has-been, but I'm a has-been with a premiere at the Oriental Theater on Vinewood Boulevard. I'll see you in there, kid. Hey, thanks. Enjoy the picture, everyone! Mr. Richards, hi. If I could just bother you for a second. I'm Laszlo from Fame or Shame. But I do some acting on the side. I was wondering if... Oh, yeah, of course. You should come see me, kid. I think I got a project that would be perfect for you. Oh, that's fantastic. It's called The Closet. Really modern stuff. Pervert. No. Let's go over here. Lying, okay? I never had surgery. Come on. Milton, hi. Sorry to bother you. Quick question. Get in here tight. Loved the movie. Well, thank you so much. I appreciate it. When you were that polar bear and you had to eat your baby, I mean, that okay. was... Okay. All right, Jesus Christ. That was emotional. Stick and I just have a hug. Okay. That really affected me. All right, I gotta go. Thank you so much. Excuse me. Come on, let's get in there. Ah, Laszlo. Oh, shit. Come on, shit dick. Where the hell is she? Looks like she stood you up. Hope I'm not too late. I wouldn't miss this for the world. Devin, the fuck are you doing here? Hey, what a movie, huh? Meltdown. Congratulations, Mikey. We did it. Hey, let's get a picture, huh? You, me, the proud producer. Such a pleasure working with you. You see, I was here. Unlike your wife. Seems to be stuck at home. You twisted fuck! You're a dead man! Let's go, Jim. Come on! Hold on. Ah bah on reprend la vaca. Tracy. The girls are in danger. We gotta get to the house. What happened? I don't know. This rich asshole is pissed off at me because I didn't shit can the movie. And then his lawyer died and he just told me he's gonna hurt your mom. You killed his lawyer? And now he's gonna kill mom and Tracy? He ain't gonna do anything if I gotta say in it. You fucking killed his lawyer? No, I didn't. It was an accident. I would never do anything to... Oh! Never do anything to put you in danger. Shit. All right. Okay. They'll be fine. They're tough. This is just a movie guy. J'avais pas vu. He's not a gangster or anything. No, he's not a gangster. He's just extremely rich. He says he's got all these connections. I'm sure it's just talk. Putain. Bah la différence avec GTA 6, ça va être affolant. Shit, what's that car? All right, Jimmy, you keep yourself concealed. I'll go get the girls. The fuck are you doing? One of them's in with Tracy. We gotta get in there, Michael. He's in there with our girl. Mom, Dad, fuck! Fucking animal! Help me, Daddy! Stay here. Keep your heads down. Be safe, baby. Don't you worry about me. Clear the building! No one leaves! Frag out!
dead. Stay put. Oh merde. Ou pas bon ça. Neither do I. Just keep calm. Go, go, go. We got four names on our list. I'm fine, Trace. You just stay down, sweetie. Putain. No one's got... Merde, était... Oh, ça va, j'étais plus loin. Moi je piège la maison, on fait tout péter, mais putain, mais à chaque fois quand tu lances le C4 ça... Oh, on se calme là. What? 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 Mais attends, il s'est passé quoi? Ça a complètement bugué? Oh non, relou, faut pas recommencer tout à zéro. Oh non, putain. Putain, mais ça a complètement bugué là. Voilà. What? Mais what? Come on, then. Trey,
got you, dick. Fuck! It's gonna be all right. No, it's not. What was that? Someone there? I'm gonna start shooting. Fuck. Yeah, you like that, don't you, huh? Take it off. Get the fuck off me. I thought I was on that guy. So you sit on his face? It's called teabagging? Non mais Jimmy, c'est un crack. It's all gonna be okay. Stay put. Jimmy, c'est un crack, c'est un truc de fou. C'est encore ici de Call of Duty et de Battlefield, ça. Mais oui, ça c'est un bon geek américain, ça. À l'époque, ouais. Ah merde, oui, mais ça faut juste voler un fourgon. Quoi ? Comment ça ? Mais comment ça ? Comment ça ? Oh le bâtard. Oh le bâtard. Oh les deux pneus avant ils m'ont crevé. Ah ça va devenir compliqué là. Oula. Mais attends, ils sont plus énervés que d'habitude là. Oula. Bon. Là, il n'y a pas le choix.
Il n'y a qu'une seule chose à faire. Oh non. Voilà, c'est la seule solution. Salut PV Rizian, je me lasserai tellement jamais de ce mode histoire, même pas une minute, pas sans que je pense au prochain opus non plus. Bah déjà, bienvenue à toi sur la chaîne, première fois sur le chat. Et c'est vrai que là, en le refaisant, sachant que ça faisait bien... Putain, mais ils arrivent ces connards. Échappement infini titane. Oh, avec les deux pneus avant de crever, c'est l'enfer. J'avoue, j'ai débloqué un truc du mystère. Non mais on est d'accord que... Enfin, j'ai jamais vu ça. Échappement infini titane. Ah non. Ah non hein. Ah non hein. Mais quel enfer! Oh, ça va. Le mec il est mort, je lui ai à peine touché. Allez! Putain, on aura galéré hein.
Il y a une tour qui fait des cambriolages. Non. C'est quoi cette question? C'est quoi cette question? Ok, bah salut. bon, gauntlet, ok, d'accord, hein, on va pas, voilà. De la difficulté d'être père, je me rappelle, c'est quoi, c'est une petite mission, ça aussi. C'est une petite mission. Non, je connais pas de braqueur de banque. Vous êtes bizarre sur internet des fois, quand même, hein. Première fois sur la chaîne pour dire ça. Bonjour, tu connais des tueurs en série? Non. Je connais pas de tueurs en série. Salut, tu sais où si je peux négocier un contrat pour tuer quelqu'un? Bah non, mais t'es machin. C'est la première fois que tu viens sur la chaîne, tu me demandes si je connais des youtubeurs qui font des cambriolages. C'est super bizarre. C'est super bizarre. Putain, du coup on a pas eu de signe. Ah oui, c'est Jimmy qui nous appelle parce qu'il avait un problème. Mais oui, mais pourquoi tu cherches ça? Enfin, alors, je sais pas si tu es au courant, mais les cambriolages sont interdits, en fait. Donc tu n'auras pas des youtubeurs qui font des vlogs. Tiens, aujourd'hui je vais voler mon voisin. Tu... Non? C'est non? Ta gueule, Jimmy. Ah mais fallait pas les tuer? Ah mais dans GTA! Oh là là, mais faut préciser hein! Faut préciser! Mais des cambriolages... C'est-à-dire... Oula, pardon. Ah merde, non, faut que je prenne ce 4x4 là. Des cambriolages RP, honnêtement, je sais pas. Après, Faut que t'ailles voir sur Twitch des gens qui streament du GTA RP et qui sont spécialisés dans les cambriolages. Mais après, je sais pas si tu as des gens qui sont spécialisés dans le cambriolage. C'est-à-dire que nous, quand on faisait du RP sur le code 47, on devait faire des cambriolages, mais on faisait pas que ça en fait. Like the other day,
He posts this picture of his newborn, and I'm all like, damn, son, that right there is one ugly-ass motherfucker of a baby. And I'm all like, my balls is prettier than that baby. And then I send him a picture of my balls. I seen roadkill prettier than that baby. What the hell is wrong with your baby? And he's all like, actually, there's a problem with its chromosomes or something, and it's actually a miracle it survived birth. And I'm all like, it's actually a miracle I survived seeing a picture of its ugly? Enough! All right? Fucking enough! I get it. The troll is back in his lair. Now stay off the internet for a while. Don't wind people up so much. C'est ce qu'on va faire maintenant. Dès qu'il y a des gens qui nous font chier sur Twitter, on va aller les enlever. Bah du coup, je sais pas trop quoi te dire, T999. Je pense qu'en fait, il y a personne qui est spécialisé dans les cambriolages, parce qu'en fait, c'est du moment où tu fais du RP illégal, t'es mené souvent à le faire. Mais je pense pas qu'il y en a qui vont faire que ça. Parce que à force, c'est chiant à regarder et à faire. Donc voilà. Bah après il y en a qui aiment bien regarder justement du RP illégal ou du RP machin ou du RP légal. C'est voilà. Hein. Comment ça? On est déjà au coup du siècle là. To recap, these are our options. We try to make them give us the gold, or we drill a big old hole in the side of the bank and we take it out. If you're drilling a big old hole, you'll need a big old drill, a tunnel bore machine. I'll locate it, but you have to steal it and store it near the bank. They're excavating a new part of the metro network around there, so that's where you'll go in. We'll need choppers for the getaway, too. Trevor has one we can use, the other can be bought. The guys on the ground will need a getaway car, so get something fast and tough, and then modify it as much as you can to increase your chances of getting away from the cops. And it's got to be stored in a parking garage near the UD. There's going to be a lot of heat, so think about that. I'm forgetting something. C'est la dernière grosse mission. We'll need a train to land the gold on and take it to the warehouse. You'll have to steal it. Again, I'll send you the details. Now, if you're interested in the more subtle approach, hijacking the armored cars and so on, you've got to get some police stingers. Only cops are licensed to have them, so that's a headache of its own. What else? You'll need to get a hold of and mod some getaway cars. Normal suspension's gonna give out under a couple of tons of gold. Whoa, man, a couple of tons? 4 tons in total. That's what I can get the system to divert into the cage we're hitting. Fuck me! Okay, last thing. You remember that underpass we saw from the helicopter? Now that's where I'll set up the smoke and mirrors to get the cops off your scent. I've heard that before. Alors. Michael, subtle or obvious, what's it going to be? On y va en force ou on y va en douceur? Qu'est-ce que vous décidez? Force, douce, il y a un partout, deux partout, 3-2, 3-2, 3-3, 3-3, 4-3, 5-3, la manière force, 5-4, 6, 7-4, 7-4, 7-4, 8-4, aïe aïe aïe, ça prend le large, 8-4 toujours, ah non, 7-4 par contre, Maxime il a voté. 7-5, 7-5, 7-6. Allez, la première option à 10. 7-6, 7-7, 7-7, 7-7, 8-7. Aïe aïe aïe, la manière douce revient à la charge. 8-8, allez, 9-8. 9-8, ok. 9-9. 9-9. Putain, c'est hyper partagé. It ain't that complicated. Come on. Bon, c'est moi qui vais trancher. Je serai la dixième. Putain, il est content Lester. We're going through the wall, so we'll just need a skeleton crew. Okay,
two gunmen and two drivers. The first driver will pilot. Ouais, on prend lui. Now you can count on him to get you out of a spot. This girl, Talia, I'm not gonna pass her up. Gunman one is with Franklin, burrowing in and pulling out the gold. Gunman two hits the bank lobby with you and makes McCreary. He was part of a well-known Liberty City stick-up crew. Nick Burke. I got a good feeling about him. Ah, think about my buddy Chef, okay? Consummate professional. We've been waiting our whole lives for this one. Are you sure you got this right? Great. All right. We get the tunnel bore machine, and we're good to go. Fucking glory seeker. Oh, you got any better ideas? Obviously not, otherwise you would already killed me and done the gig yourself. I mean, what kind of vain asshole decides that the best way to rob the largest holding bank on the West Coast is for him, and him personally, to come at the front door? The kind of vain asshole who's stuck working with you, you douchebag. Okay, all right, ladies. We gotta move. Come on. Man, can we fucking do this? I'll show you what you need. Je sais plus combien il rapporte. Il rapporte beaucoup, mais... Oula. Sur Twitch, on... Oula, Lester. Here, put this on. Eh bah bienvenue, t'es 999,999. Ils ont commandé sur Amazon Prime, hein. Yes, if you actually get dressed, then maybe you will. Oh la gueule de pervers de Lester. Ready for action, huh? Let's go. All right, I'm gonna meet my guy at the bank. Gold ain't ours yet, but we are this close. Get the crew. Let's go. Let's go. In the air, running comms, and managing the link up with the train. Some Rent-A-Hood ain't gonna be able to handle logistics, T. Rent-A-Hood? That's just one of the hats I wear. Hi! Hey, I'm in the tunnel, man. When you start, you'll fill the bag with Bill's routine. Give me a word. You ready to do something profoundly stupid? I work for Trevor. I'm used to it. Hey, let's drill a hole in this damn thing. Charge is set. Let's open them up. Get back and set it off. We got access. They're coming down the tunnel behind. Cops. Get the metal. Over here for pickup. I'll handle the heat. Non, non, je suis pas mute, hein.
Ignore the wind. And I got this one. Next one. On the floor. Oh, shit. Open it, dog. Look up. Look, they got the vault open. They're coming out of the bank. Everything okay down there? Don't worry about us. Just get the bricks out. Hey, the vault's empty already, punk. They got a sled rappelling into the hall. I gotta pull the chopper out a minute. The bricks are gone, right? I'm bringing the chopper back around. Go, Paul. Get the metal out the city. They're fine. We head for the city limits. T'es mieux là? Oh, pourquoi il déconne de plus en plus, il va falloir que je change de micro. C'est un tonor. At the Alta Street footbridge. Come on! We ain't even got a dive pack! Pourquoi il s'est posé? We're clean. Let us walk away. The government stole more gold than we have. Damn, you made it. Woo. After doing the walk in the Union Depository, man, it was a whole lot less successful than your lick. But we needed to divide attention. Woo. God. Hey, come on. We gotta get across the bridge. We're going this way. Oh merde! Où faut aller, je crois pas qu'il faut aller par là. J'ai pas de lance-roquettes et lance-grenades là. Oh l'arnaque! J'ai hâte que tu fasses l'histoire de Red Dead. Ah oui, Red Dead aussi, on va le faire. Hein.
will go through you! To the right over there, one time! Him! You take the flank! I got the front cover! Federal government stooges! You really want to do this? Hey, keep moving! Hey, through this passageway, on the left! Bah merci, t'es on va t'appeler T9 hein. On va t'appeler T9 parce que ça fait un peu long cours là. Mais cours. Voilà! C'est comme ça qu'on gère la bombe collante! Hey, let's book, man! Come on! The shit I've been in with Trevor's got nothing on that! Let's go! Bah, si je reste là, tout simplement. Ah bah non. Hey, if they catch us, man, Trevor's gonna get your shit. Oula. Comment ça? J'ai pas appuyé sur exploser? Comment ça? It's leveled out. Get away, car. Let's go. Eh, je me suis fait voler là. Dog shit, come on! In all my days with Trevor, it's never gotten that bad. Let's go! Allez, barre-toi! Eh oui, mais là oui, c'est ce qui me semblait. Il va y avoir les flics là. Ah non. Grosse folie cette mission quand même.
Putain, mais les mecs, ils ont... Les mecs, ils ont fait 10 mètres... Oh, c'est un tireur d'élite, Lester. Ah bah non, j'ai rien dit. Mais non, putain, mais qu'est con! Il s'est pris une éolienne! Ah non. Non, c'est Lester qui a pas été assez... C'est Lester qui a pas été assez rapide. Mais ouais, mais Lester, il est pas... C'est pas un tireur d'élite, en fait. Oula. Il va pas tenir, Nico.
Hey, look, man, I'm gonna get the car up out of here, all right? All right. Hey, you two, come with me. I'm gonna need some help getting the metal in storage for a few days before I can sell it. Both of us? Yes, both of you. All right, it's been a pleasure working with you. You'll get paid when we get the cash. But until then, I want you to keep it on the down low. No new cars. No vacations. No nothing! Now, come on, Tom! Gros là. Et ben voilà, braquage réussi. Et on est pile dans les temps en fait, hein. On est pile dans les temps en fait. On va finir le live pile sur la fin de GTA V. Le timing parfait. Coup du siècle, c'est fait. Ah oui, alors. La troisième option, il me semble que oui, c'est... Non, la troisième option, elle est trop badass. Imagine a fucking scenario that will fuck things up the worst. Boy, my mind is just racing. But you know, I don't want to say something that's really exciting and then you have to act all deflated and say, no, no, it's just that somebody got the same tattoo I got. So why don't you just go ahead and tell me? Some motherfucker wants me to kill Michael. Some other motherfucker wants me to kill Trevor. I feel I can't kill both of them. Man, I'm fucked, man. I don't know what the fuck to do right now. I can see that. Who are the motherfuckers? Steve Haynes, this angry motherfucker from the FIB. Yeah. Devin Weston, man. You know the, That angry rich fucker from whatever hole he hibernates in. Exactly. All right, I say kill Michael, then kill Trevor. Man, are you for real? You're fucked, you know? I don't know. You know everything, dawg. I know, okay? But I'm sorry, I guess this is it. You know, I'm doing my best, man. I don't know how you can deal with both of them. I know, man. Shit. We're fucked. Every single one of us is fucked. Unless... Okay. Steve Haynes is under a lot of heat because of the shootings at Court Center. And Devin Weston is A, known to be a major asshole, and B, known to be friendly with Don Percival, who runs Meriwether. I think, actually, Weston owns a piece of Meriwether. Right, 11%. Pretty good for a pseudo-liberal owning a private army. So, they would both love to be involved in capturing the bullion that we just lifted. If I tell them both that you boys are at the foundry in Marietta Heights melting it down, then maybe, maybe, both of them will pay you a visit and... Bam! We turn it into a bust. I ain't got no better ideas. All right, I'm gonna get in touch with Michael and Trevor. You go to the foundry, get yourself set up. I got you. C'est une blague. C'est une blague. J'avais pas vu le rebord, putain. Oh la défaite. Oh la défaite. Oh non. Oh non putain, je regardais le chat. Putain, je lisais le chat. Je lisais le message de l'échine. Franchement, on a eu du cul de pas mourir là. Hein.
On va mettre le casque quand même. Bah allez là, bro! Hey, look, hear me out, man. If it's too heavy for you, you can back out. No drama. Hit me with it. Man, we got a real problem, dog. My boys, man. Well, we trying to save them. You actually doing something for your homies for a change? Hell yeah, I'm in. Who wanna clap your homies? Who don't, nigga? These Chinese dudes, some FIB cats, the rich white asshole who scammed us on the car. Devin Weston? That punk bitch? Why didn't you say we was creeping on him? We ain't creeping on him, nigga. Least I don't think he gonna be there. We gotta take all the heat he can throw at us before we worry about how we coming back on his ass. But you is coming back, right? Oh, hell yeah, we creeping on that fool. Oh, so you ain't the mercurial motherfucker you fronting as, huh? Man, I'm just trying to make something out of myself, dawg. That don't change who my homies are, nigga. It don't change my family. Shit, nigga, you getting me all emotional now. Nigga might have to stop me from sucking your dick, nigga. Oh, please, nigga, fuck off. Look, man, Mike and Trevor, they should be inside. Can you stay out here and let us know when the bad dudes is coming? I got it, man. I'll holler at you. Position right there. Okay. I'm gonna go over there. Clear the building. Watch your sectors. Jeez, oh, we got away. Oh merde, j'ai loupé. Ils sont où ces bâtards?
right if I didn't have to save your ass. Just one. Hey, guys. Just wanted some company. Good looking, homie. Punk ass. Can you get to him? Shit! What the hell? Là, c'est le bordel! Ça tire de tous les côtés! I'll try and find him! Say something! Trevor! They keep on coming out here! Come on, T, cut it out! Mais barre-toi la mort! Mais l'arnaque, on se fait rouler là. Mais qu'est-ce qu'il branle, Trevor ?
Oh, looks like we did it. Shit, for now? Yeah, exactly, for now. So, what's next, huh? We're just gonna wait around till someone kills us, or are we gonna wait until this fucker gets turned again? Fight me. Ain't anybody getting turned again, you know it. Hey, man, the way I see it, we only just begun to clean this shit up. We got a lot of old friends I think need to be re-educated. A lot of friends. I mean, things could get really messy. Nah, we just gotta silence a few noisy people. Hell yeah, let me see. There's, Steve Haynes. Dave Norton. No, we need him alive. Why? So nobody fucks with us afterwards. What about that tribe, motherfucker? The one that think you two boys is dating? Shit, you know he bound to come back. Yep, there's that. Well, who's the guy who set up Lamar? Stretch? We want to throw him in? Shit, Trevor will throw anyone in just to satisfy his bloodlust. Whoa! Hey! It's called a fucking loose end, all right? Now, if we're going to be men of peace and tranquility, we tie up loose ends. Man, Stretch has been a liability. But then we're going to have to take care of our old pals, Devin Weston and Steve Haynes. Oh, fuck, what a mess, man. Well, let's get it cleaned up. How about you get Lester on the line? Les mecs, ils restent sur place, alors que... Hey, it's me, dawg. You're alive. I thought someone might have your phone. Nah, but look, I got you on speakerphone. Did Mike make it? Yeah, I'm here. And the other one? See you putting the ground wheels. just calling for a chat. No, we got some work to do. Can you get us some whereabouts? Ooh, I'll do my best. Who? Steve Haynes to start. And Devin Weston's ass. And, Wei Ching. W-E-I-C-H-E-N-G. Wei Chang. And Franklin's pal, Stretch. Stretch? Yeah, man, look, his real name is Harold Joseph. Okay, well, I can tell you that Agent Haynes is taping a show over on Del Perro Pier. Shooting permit came up immediately. Check it! I wanted to ice that fucker since the moment I met him. All right. I got a signal from Mr. Harold Joseph's phone over at the B.J. Smith Recreation Center. No, I got him. Let's keep him clear of known associates. All right, thanks, dawg. You got it. What you got for me? Tao Ching's credit card just bought a Magnum at the beach club in Pacific Bluffs. Okay, I'll go ask his ass about his punk-ass dad. When I find Mr. Weston, I'll send the coordinates. All right, good. Putain, le carnage n'empêche. Non, le premier qui est parti, c'est Trevor. Trevor, il doit être arrivé là. Undergoing a transition. I think that Chinese problem might be taken care of, and there's money in the bank. Your car! Je veux buter Steve Haynes en premier là. Hop, hop, hop. I'm moving on Haynes. Les, see if you can patch me into his radio mic. I want a last reminder of what an annoying prick he is. Quoi? Oh putain, relou.
Relou. Avec quoi on bute? Il est où? Attends, on va pas le voir là. C'est un peu moins satisfaisant parce que là il va pas savoir qui c'est qui va le buter. Oh là là! Ça aurait été la fuite parfaite là! Hey, Lester, I dealt with Haynes. You got a location on Devin Weston yet? Yeah, I do. A Meriwether team was dispatched to protect him at his house in the Tongva Hills. I say house, it's more of a... Yeah. Whatever. I'll go up there and get him. So who we got, man? Stretch and Wei Chang are still in play. C'est vrai, Epsilon. Totalement vrai pour la musique. Oh putain, mais les PNJ sans déconner! Lamar Davies, disrespectful ass motherfuckers trying to break the order of things. Hey! Lamar and Franklin send their best! Who's this peck of wood? Mais pourquoi il veut pas lancer ce con? Quoi? Eh mais le jeu il bug de ouf. Comment il a... Comment... On va prendre la bonne vieille méthode hein. Moi je rince tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh putain, j'ai les flics.
Mais allez, j'ai qu'une étoile là. Ça dure 3/4 d'heure, bordel, j'ai qu'une étoile. Putain, au secours. Putain, au secours, tu vas pas me dire qu'il faut que je fasse le tour. Bah si hein. Soyons efficaces, X-Bank. Salut Morin, Morinx, bienvenue. Allez. Oh là là, sans déconner, il peut pas escalader le portail. On va prendre. Voilà. Oh, you bastard! Get down, you alright? Oh merde! Cobset is real! Oh non! Cobset is real! Cobset! I'm a walking combat situation! Oh non! Putain, je pensais que ça donnait sur la piscine. Oh la loose. Et salut Nono, bienvenue. Ah merde, j'étais persuadé qu'on pouvait rentrer dans la... I'm the definition of SP. I'm the most suspicious person you'll meet. Il est où ce con? Wait, wait, hear me out. No more talking. Ah Trevor, c'est le GOAT. Bienvenue Nono, bienvenue première fois sur la chaîne. Eh ben écoute, bienvenue. Eh ben merci beaucoup, c'est très plaisir, très gentil. Merci pour tes messages. Ouais, par contre, je veux bien sa maison aussi au Devin. Oh là là. Where am I? What's happening? You don't know what you're getting into, pal. Put down, sucker.
Ouais, elle est un peu merdique à conduire. The CEO position's gonna be vacant real soon, Slick. I've got nothing against you, apart from the obvious hygiene issue. Michael caused me problems, so Michael had to go. You're looking at it rationally. There are people who are useful to you and people who ain't. And the people who ain't gotta go. Me? I'm not rational. I don't care if you're useful or not. I feel like taking you out, Devo. So that's what I'm doing. This is a serious offer. Work for me, you'll have everything you'll ever wanted. All I've ever wanted is to watch you drift in and out of consciousness as you're slowly disemboweled. Yes, yes, that's the kind of creativity I need on my team. Come on, let me out of here. Look, I got my own company, Trevor Phillips Industries. I don't know if you heard, but I'm kind of gold rich right now, so you got precisely nothing to offer. Prepare for the end, my friend. You're dead! We're swapping insurance details! You don't want the fat man around either. Go meditate, you phony prick! T'imagines, ça va être horrible quand même, t'es dans le coffre, tu sais que tu vas mourir. Ça va être horrible. Putain, je lisais le chat. Tout ami de crédit du type se manifeste là, il est désespéré, alors il essaie la carte de la corruption histoire de berner son ravisseur. Sûrement pour le tuer le moment voulu. Oui, ça c'est sûr. Dans ce milieu là This is why the people I put in my trunk are usually dead. What the fuck? Ah, le petit plan et tout comme ça là. En plus, il reste longtemps dans son coffre, ça va être chiant. Hein. Never better, amigo. Franklin? I'll be here. Franklin. Hey, what's up? I assume you got him? Ooh, safe and sound. Ain't that right, buddy? Hey, my bad, homie. I picked C. Ain't that a bitch? You know, Devin, the way I see it, and hey, I'm no intelligent businessman like you, but the way I il avait pas le truc, il pouvait parler. Great evils that bedevil American capitalism, the type that you practice. Number one is outsourcing. You paid a private company to do your dirty work for you, and then you underpaid that company because you thought you were big enough and bad enough that you didn't have to play by the rules. Oh, number two. Offshoring your profits. Offshore? Oh, it's horrible. You wouldn't want to be sent offshore just to save a little money, would you, T? No, Franklin? I wouldn't. Oh, no, I ain't going nowhere. No, see, but we know your opinions on the matter, Devin. Keep your problems the fuck out of America, huh? In this instance, when he puts it like that, it makes sense. Of course it does. Hey, Devin,
Goodbye, my old friend. Thanks for all the advice. Bye-bye. So now what? Now we keep a low profile and get on with our lives. As friends. Well, do I have a choice? No, not really. All right, then. As, flawed, awful, totally uncomfortable, and poorly matched friends. Absolutely. Oh, that's perfect. Then we can get back to the kind of capitalism we practice. Shit, I don't know how much more better that is than Devin's con. Ooh, hypocrisy, Franklin. Civilization's greatest virtue. Jesus, your therapist has a lot to answer for. I know, I still hate myself. But hey, at least I know the words for it now. Yeah, but I hate you, and I know the words for it. So does that mean I don't have to go to therapy? Look, man, you two motherfuckers terrify me of that middle age. I'm good. You're right to be afraid, Franklin. Yeah. Be very afraid, Franklin. Tell you one thing, T. I'm getting too old for this nonsense. Écrit par Dan Houser, ah, Leslie Benzies, ah, Michael Caine, ah. Ça va être difficile de faire mieux que le 5, je pense pas, non. Je pense pas. Ouais, non, je pense qu'il y a grave moyen de faire mieux. Sans pour dire que j'étais à 5 et nul, hein. Attention. Mais Non, je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Mais. Tu crois que j'étais. Je sais pas. En fait, c'est vraiment. Je sais pas. Je préfère pas me. Ah, Adam Smith qui n'est plus là non plus. Putain, dès que je regarde, dès que je jette un œil sur le truc, je vois une personne qui n'est plus là. Je sais pas. Honnêtement. J'ai pas envie en fait de me mettre trop d'espoir pour pas être déçu en fait. Pour être le minimum déçu possible et être forcément surpris. On en parlait ce week-end, mais justement, avec mes collègues qui sont venus. Comment on a passé le week-end avec des potes là ? Forcément, ça parle beaucoup de Rockstar et GTA. Et ils m'ont posé des questions justement sur. Qu'est-ce qu'ils pourraient. Eux, en fait, ils m'ont dit. Et c'est vrai que j'avais pas trop vu ce point de vue-là. Ils m'ont dit que eux. Ce qui les décevrait. C'est. Si le jeu il est moins vivant. Si l'IA est moins prononcée. Et si il y a une moins bonne ambiance que GTA V et Red Dead Redemption 2. Et ça, en fait, eux, ils m'ont dit, limite, bon, ils vont kiffer l'histoire, ils vont le faire parce qu'ils font le scénario. Mais en fait, une fois qu'ils ont fini le jeu, ils passent limite autant plus de temps, voire plus de temps, à juste se balader dans la ville et voir l'interaction avec les PNJ, voir les animaux chassés, etc. Et donc, c'est sûr que ce point de vue-là, je pense, sans vouloir m'avancer, que ça va être incroyable. Je pense que c'est vraiment la partie où, en fait, ça, c'est vraiment propre à Rockstar et le fait qu'ils peuvent s'autoriser à faire 10 ans de développement. Et du coup, je sais que ça... j'en suis quasiment sûr que ça va être incroyable là-dessus. Ils ont encore déposé un brevet sur une nouvelle façon de traiter l'IA, etc.
Donc j'ai vraiment pas trop de doute là-dessus. Après, pour le scénario, moi, en fait, vraiment, pour... il faut que ce soit tout, tu vois. J'ai besoin aussi d'avoir un scénario, donc je sais pas. Je préfère pas trop me... Mais j'ai du mal. Encore une fois, c'est ce que je disais. Pour moi, GTA 6 sera l'un des meilleurs jeux vidéo de l'histoire sur la partie technique, graphisme. Et je pense aussi là-dessus sur tout ce qui est l'IA, la vie dans le jeu, etc. Et moi, j'ai aussi besoin d'avoir mon scénario, quoi. Donc, à voir. Wait and see. À voir. En tout cas, les amis, c'est sur cela que s'achève notre live, mais également notre série de Let's Play pour les 10 ans de GTA V. Bon, on l'avait attaqué le 17 septembre, on a mis longtemps. Je vais essayer maintenant de mettre un peu moins longtemps à finir les jeux. Demain, de toute façon, on termine Stuntman. Mercredi, c'était pas sûr. En fait, ça va vraiment dépendre de comment se déroule l'opération de mon père, etc. Mais surtout aussi, ça va dépendre en fait si j'ai le temps, etc. Mais ça me chagrinait parce que je voulais au moins terminer GTA 5. GTA 5, c'est fait. Donc déjà demain, Stuntman. Et du coup, pour mercredi, je sais pas. Sachant que, comme je vous le rappelle, on attaque la nouvelle saison de GTA RP dimanche. Donc, oui, la fin de Stuntman. Oui, la suite est fin de Stuntman. Il nous reste 3 films à faire, je crois. Normalement, je pense que ça va le faire. Sachant qu'il risque d'y avoir encore une ou deux missions buggées comme la dernière fois avec les poursuites, donc voilà. Le prochain jeu Rockstar, je sais pas. C'est vrai que là, si on check... forcément, quand vous allez sur mon site, hein, petit tips, vous avez tout le temps le planning. Vous avez tous les réseaux pour me suivre, bien entendu. Vous avez tous les derniers tests que je fais sur ma chaîne. Mais si vous allez sur Twitch... Si vous êtes sur Twitch, vous avez déjà toutes les émissions de divertissement que je fais. On va bientôt reprendre les deux émissions d'ailleurs. Burger Twitch et Twitch Show, on va bientôt les reprendre. Mais vous avez le replay de tous les Let's Play qu'on a fait depuis le début. Donc, vous pouvez les avoir dans l'ordre. Donc, dans l'ordre sur lesquels on les a fait sur la chaîne. Par ordre alphabétique, si vous cherchez un jeu précisément. Mais également, les jeux Rockstar et les jeux Naughty Dog. Du coup, jeu Rockstar, et enfin, j'aimerais limite faire un autre truc qu'un GTA, parce qu'on a quand même fait quand même beaucoup de GTA. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va voir. Sachant que je pense pas que le jeu Rockstar, on va le faire dès la semaine prochaine. Je ne pense pas. Dites-vous qu'un jour, là, dans cette liste, il y aura GTA 6. ça va être inside. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tout ce qui est GTA, GTA London, Wild Metal, tous ces jeux-là, en fait, on va les faire juste sur une soirée, hein, en mode découverte. Et encore, même Evil Kinble, etc., je pense pas qu'on le fera sur une soirée. Mina Club, on fera pas les premiers, on les fera juste sur une soirée, on les fera pas en entier, parce que c'est juste des courses qui se répètent. Max Payne. J'hésite à faire les Max Payne ou si on attend les remakes. Italia Jump, ce sera une soirée. Oni. Bon, Oni, c'est un jeu d'aventure. On peut... Combien de temps ça dure Combien de temps il dure Oni pour voir déjà? En combien de streams on pourrait le faire? 9h? 10h? Ça veut dire qu'en gros, ouais, 3 streams. On peut potentiellement faire Oni. Un petit jeu d'aventure qui a été fait avec Bungie, les créateurs de Halo. State of Emergency, on le fera sur une soirée. Vice City, on fera Max Payne 2. Manhunt. Manhunt, je pense que va vraiment falloir s'attendre. On fera un marathon Manhunt pour un Halloween. C'est vrai que j'ai pas pu le faire malheureusement Halloween dernier, mais on va se les garder pour Halloween.
Red Dead Revolver, faudra le faire. GTA Advance, on le fera pas. San Andreas, enfin, on le fera une soirée. The Warriors. Pareil, The Warriors. Ça doit pareil, ça doit être une dizaine d'heures, ça. Voilà, 11h. Ok, ça vaut 3 streams. Faudra se le faire The Warriors. Table Tennis, on le fera sur une soirée. Babouli, c'est fait. Mina Club Los Angeles, on le fera, je pense. Mina Club Los Angeles, on le fera. Chinatown Wars, on le fera, mon avis aussi. Bitarator, on fera sur une soirée. Et après, c'est Red Dead. Et il est noir, putain, et il est noir, j'ai tellement hâte de le faire. Non, non, San Andreas, on le fera en entier. Non, San Andreas, on le fera en entier. Bien sûr qu'on le fera en entier, San Andreas. Mais, ouais, à voir. Pareil, hein, sur Naughty Dog, mine de rien, il nous en reste pas beaucoup. Hein. Naughty Dog, bah, mis à part les Uncharted et les Jack and Dexter. Puisque les Crash, on les a fait. The Last of Us, on les a fait. Il reste plus que les 4 Uncharted et les Jack and Dexter. Ceux-là, pareil, ceux-là, on les fera sur une soirée, je pense. Voire même une soirée, on fera une soirée Naughty Dog où on fera les 5 premiers jeux Naughty Dog. Genre une demi-heure sur chaque jeu, je pense. Et Rockstar en fera pareil. Il y a une soirée où on fera peut-être une soirée GTA avec GTA 1, GTA 2 et GTA Advance. Et une soirée où on fera les autres jeux Rockstar avec Wild Metal, Monster Truck Madness, Evil Kinvel, S-War Gym, etc. Après Naughty Dog, ça te centrait de faire les jeux Quantic Dream. Carrément, je les ai tous faits d'ailleurs. Je les ai déjà tous faits, donc... je les ai tous faits de mon côté. Mais après, je veux faire Burnout 3. Je veux faire Bioshock 2 et Bioshock Infinite. Je veux faire Crash Bandicoot 4. Faudrait faire la suite d'Harry Potter. Tac, tac, tac. Bah après Stuntman, on fera Stuntman Ignition sans doute. Faudrait terminer Test Drive aussi. Enfin bon, Test Drive, on en a fait beaucoup déjà de streams sur Test Drive. On a fait combien sur Test Drive? On a déjà fait 5 streams. Il y a déjà 3, 6, 9, 12, 13, 14. Il doit y avoir 15, 16 heures sur Test Drive. Donc, ouais. Après, faudra me faire des suggestions aussi. Hein. Oui, bien sûr, The Last of Us Partie 2. The Last of Us Partie 2, on l'avait fait en plus en 8 streams. Hein. Ils sont tous là. Tous là. Donc, Si, hein, on l'a annoncé. Hein. Il y a déjà un teaser d'ailleurs, mais vraiment, soyez là dimanche. Soyez là dimanche parce que ça va être une dinguerie. Hein. Les Spyro, oui. Les Spyro, j'ai trop envie de faire les Spyro. Salut Pyro. Exactement. Les Spyro, les Sly Cooper. J'ai trop envie de faire Sly Cooper. J'ai aussi envie de continuer à faire des streams rétro un peu comme Stuntman, tu vois, c'était vraiment cool. C'est vraiment cool. Donc ouais. On va voir ça. On en discutera ensemble les amis, on fera des choses qui vous feront kiffer pour qu'on passe des bons moments ensemble. Donc voilà. Sur cela les amis. Non, Only Up, c'est vraiment le genre de jeu, moi ça va m'amuser un quart d'heure, ça va me saouler. Vraiment Par contre, Welcome to Paradise, qu'on avait vu à la Nacon Connect avec comment ça s'appelle, où on joue à 4, ça pourrait me plaire. Ça pourrait me plaire. Non, mais il n'y a pas de souci, Epsilon, t'en fais pas. Et pas de souci, Pyro, désolé aussi. Hein. Oula, bientôt les jeux absurdes, bientôt, c'est un grand mot. Hein. Bientôt, autant que GTA 6, quoi. J'ai déjà vu ça en streaming. Ouais, mais moi, justement, c'est le genre de jeu où. Enfin, c'est. Ça me saoule vite, quoi. Donc, voilà. Ben, sur cela, les amis, rendez-vous demain à 20h pour Stuntman. Je peux vous le garantir que ça va être pas mal. Surtout que, vraiment, là, pour moi, c'est une découverte. Hein, parce que j'avais jamais passé le premier niveau. Donc, c'est une découverte. Et donc, oui, bien sûr, Yassam, conseille-moi un jeu. Attention, le conseil de Yassama. Est-ce que ça va être un bon conseil? Vice City Stories, on fera peut-être début de l'été. Peut-être, mai-juin.
Attention, avant de se quitter les amis, on attend la suggestion de Yasama. Tu es en train de nous tenir en haleine. Je veux pas te mettre la pression. Mais si c'est nul, Candy Crush, t'es malade ou quoi? Si c'est nul, Yasama, ça va chier. Clash of Clans, mais ça... Les jeux mobiles, les amis, j'ai énormément de mal. Énormément. J'y arrive pas. Animal Crossing, au secours. Au secours. Une très bonne pote et mon ex m'avaient voulu que je m'y mette pendant le confinement. Au secours. GTA Advance, non, c'est un jeu Game Boy Advance. Minecraft, j'ai jamais fait. Minecraft. Je n'ai jamais lancé une seule game de Minecraft. Je peux pas vous dire... Bon, par contre, ouais. Yasama, faut peut-être s'activer, quoi, parce que... On va pas rester jusqu'à minuit non plus, hein. J'ai jamais joué à Minecraft. Non, ça m'a tiré, mais tellement pas. Et même aujourd'hui, ça m'attire pas de ouf, tu vois. Bah ouais, mais... Enfin voilà, moi je vois vraiment ça comme Roblox, etc. Tu sais, en mode... Enfin, je sais pas, j'ai jamais été attiré comme Fortnite. J'ai jamais lancé une game de Fortnite. Comme League of Legends. J'ai jamais lancé une game de League of Legends. FIFA, j'ai eu ma grosse peur de FIFA. Maintenant, je peux plus, j'arrive plus. FIFA... Ouais, le jeu il est encore en production en fait. En fait, il est en train de développer un jeu où en fait il galère, il doit plus se souvenir du. Je t'envoie un message Insta, je vais le retrouver dans ma liste de souhaits. C'est un jeu comme les premiers GTA. Ok, bah écoute, pas de soucis. Tu fais ça sur Insta et je te dirai si c'est possible qu'on fasse ça. Mais bon, il y a encore. Honnêtement, j'ai une liste, j'ai envie de faire aussi tous les Assassin's Creed. J'ai recommencé avec le premier Assassin's Creed. Ça serait insane. J'ai plein de trucs à faire. Plein de trucs à faire, donc voilà. Donc voilà, bon allez sur cela les amis, on y va, on va pas tarder, passez une bonne soirée, rendez-vous demain à 20h pour la suite et fin de Stuntman, et sur cela, prenez soin de vous, passez une bonne fin de soirée, et à bientôt !